orgueilleux de moi, je suis puissant. Au milieu de moi, je suis puissant. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. Ce moi en moi, ce moi, cette vérité, cette grâce de Dieu, ce Fils de Dieu, cette unité avec Dieu. Ceci est mon pain et mon vin et mon eau. Et donc, je comprends ce que le Maître voulait dire quand il a dit. Prends aucune pensée pour votre vie. Ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, ni encore pour ton corps, ce que vous mettrez. Ce que le Maître disait en réalité, c'est ne priez pas pour obtenir des provisions. Je suis le pain, je suis le vin, je suis l'eau. Ne pensez à rien concernant votre vie humaine, car j'en suis la substance et l'activité. Demeurez seulement en moi, dans la réalisation que je demeure en toi, que je suis vraiment toi. Je constitue votre être. Je suis au milieu de toi, ta grâce, la grâce de Dieu pour vous. Je n'ai plus besoin de me tourner vers l'homme dont le souffle est dans ses narines. Pour quoi que ce soit, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Ce qu'un mortel peut me faire, je n'ai pas besoin de comploter, de planifier et de piller, car je suis ce que je suis. Cette présence divine, celui qui est en moi, cela, il passe devant moi pour rendre le tordu encore droit. Il me prépare une place. Il marche à mes côtés. Il marche derrière moi. Comme un arrière-garde, il m'accompagne partout. Il m'accompagne partout où je vais.